Sur le plateau de l'émission radio-télévision Ouais, RTW, l'émission dénommée Et si on en parlait, nous recevons notre artiste tradit moderne, ouais, notre artiste talentueux. En tout cas, on entend beaucoup parler de lui grâce à un morceau phare qu'il a, on entendra toi tout à l'heure. Nous le recevons sur ce plateau pour parler de la dédicace de son premier album après 10 singles. Ce premier album, la dédicace va se tenir le samedi 6 avril 2019 au Mont Zatro. C'est non loin de la place CP1 et c'est dans la commune de Yopougon, c'est à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, le pays des ressortissants, ouais, en particulier, et des Ivoiriens en général. Tout simplement parce que la passion pour nous, pour nous, vraiment, la passion du peuple, ouais, est de taille. Voilà, donc cette dédicace va démarrer à 20 h jusqu'à l'aube. Nous sommes avec l'artiste, nous allons échanger avec lui, Sabaté. Oui, il faut gagner. Bonjour. Bonjour. Alors, bien avant de reprendre nos entretiens, tu vas faire un a cappella pour saluer tous les ressortissants. Ouais. Vraiment, 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 les bébés, depuis Paris, toi et la présidente Tiokoura, Beatrice Tiokoura, présidente de Dieu Culture, associée à Célestine Voix, présidente du conseil d'administration d'APADA Production, vous êtes d'accord avec moi que Sabatier, vraiment, il a eu raison de produire très rapidement son premier album parce qu'il ne peut pas rester sur des singles. Ces singles sont en train de battre le plein aujourd'hui dans le milieu du showbiz musical. Ouais. Alors, il sort là un premier album qui va vraiment faire du balèze. Son premier album est composé de 6 titres. Alors, quand vous l'avez écouté tout à l'heure, vous êtes vraiment convaincu que le 6 avril 2019, en tout cas, ça sera du balèze. Et puis, je vais dire comme ça à Lélé Bébé, à Paris, à Béatrice Tiokoura, la présidente, et puis aussi à Maman Célestine Voix, faites tout possible pour que à Paris, juste après la dédicace de son album le 6 avril, on puisse avoir un bon nombre de CD qui puissent arriver là-bas à Paris pour tous les ressortissants, ouais, dignes de ce nom, qui attendent vraiment l'album de Sabaté. Alors, Sabaté, en quelle année tu as commencé à chanter? En 2007. En 2007. Alors, parle-nous un peu comment ça a commencé. Ah, en 2007, bon, j'étais au village. Ce moment, il dit 2007, j'avais tam-tam, je chantais dans les villages. Je n'étais pas encore confirmé. C'est ça. Donc, j'ai commencé depuis en 2007. Depuis aujourd'hui, Dieu m'a fait une chance. Je suis venu en ville pour faire Awula Bessé. Awula Bessé. Awula Bessé, j'ai fait ça en 2017. Et 2007 à 2017, BFA va baisser. Alors, quand tu as commencé au village, comment tu arrives, comment tu t'inspires? Tu vas voir un vieux ou bien tu prends un peu de cigarette ou bien c'est quand tu dors. En tout cas, comment vient ton inspiration? Il faut gagner, merci. Depuis que je suis maman, ma maison, moi, quand je vois les gens chanter, vraiment, ça me... j'aime ça. Tu as aimé ça vraiment? Oui, j'aime ça. Donc, souvent, c'est ça. C'est fait que quand je m'en vais me reposer, je dors la nuit, je rêve, je t'entends, je tourne dans le village, c'est comme ça. Ah bon? Ah oui, c'est ça. Donc, si c'est comme ça, c'est que je vais mettre ça en pratique.
Très bien. Non, vraiment, Lele Bébé. Il dit, hein, tu vois, quand je l'écoute parler, j'ai envie de devenir artiste en même temps. Mais quand je dors, je ne vois rien, je ne vois aucun tam-tam. Mais lui, quand il dort, il voit les tam-tams, il voit guitare, il voit plein de choses. Ah, et puis oui. Bon, et là c'est comme si Dieu était en train de te dire, ah, oui. Sabatier, je t'appelle à chanter, c'est à ça chanter, oui. Vraiment, c'est vraiment formidable. Alors, Sabatier, ah, oui. Tu vas encore donner notre a cappella, ah, oui. Et surtout pour ce morceau que tu as dit qui a beaucoup régné et qui continue de régner. Ah oui. Il faut gagner un merci. Eh, tiens, me blou. Amuson, babou, mamblané, babladien, mamblablé. Il nous y a bête, il ne va pas prendre un bon blédien. Moi, j'ai plein de bon blédien, maman, mais non, yo yo. Il doit être des hommes, tout à l'heure. Il nous y a bête, il y a des gens, ça va dire. J'ai l'air de vous dire, bon, d'ailleurs. Il s'appelle toi, mais ça, ça. Moi, j'ai plein de bon blédien, c'est bon, lui. C'est à braba, à baisser. C'est à braba. Bon, y a des gens, à braba, à baisser. L'année, non, y a braba. Moi, j'ai dit non, braba, non, braba, à nos bonnes, non, braba, non, braba, ça va dire non, braba, à braba, à baiser, et faut gagner, j'avais. Moi, j'ai fait beau, pas y'a grand, y'a. Faut voir, non, j'ai tout le savoir de la gloire, ça n'y a pas. Papa, j'ai besoin, y'a grand, y'a une sabre, y'a un peu, y'a ça, dis ma sabre, là, ça va, braba, à baiser, ça va, tchè, ça va, tchè, il faut dire les bébés. Ça va, braba, à baiser, à braba. Là le bébé Daniadi, ça va dire non Daniadi. Là le bébé non braba, ça va dire non braba, braba. Hein, maman tu vas oublier, ça va ne. Bon j'ai l'air du bébé maman. Bon moi quoi tu vas oublier? D'après nous, ouyon d'attendre comme maman de nous maman. Là le bébé non braba maman. Bien dit c'est quoi? Dimanche on me dit bien dit c'est quoi? Non là bah maman Louadi, Anna non bah non non y a bien maman. Moi j'ai dit non frère non. C'est la signe voix. Voilà, les bébés, Beatrice Otikoura, Céleste Levoix, toutes ces belles mamans. Voilà, c'est une façon de dire, mobiliser toute l'Europe en France pour que Sabatier puisse vraiment bénéficier de votre soutien moral et puis, voilà, de votre soutien. Sabatier, ils ont compris ici. Oui. C'est vraiment formidable. En tout cas, Sabatier, il chante vraiment très, très bien. Mais on va aller chercher un peu d'argent en Suisse pour que le 6 avril, on puisse venir. Eric Okui, tu es en Suisse. Sabatier, oui. Chante Eric Okui. Il nous a dit que nous avons 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 dit c'est quoi ma maman vous vraiment. Sabatier, celui ou celle qui va rater la date du samedi 6 avril 2019 à partir de 20h au Mont Zatro de la commune de Yopougon,
l'on est de la place CP1. C'est à Abidjan, nous sommes en Côte d'Ivoire. Tu rates cette cérémonie, tu as tout raté en termes de musique. En tout cas, parce que Sabatier, quand vous écoutez, il fait vraiment la différence. Il marque le cachet de la douceur dans cette musique. Sabatier, je veux que tu parles en ouais, oui, pour dire à tout le monde, oui, venez, venez, vous ne serez pas dessus. Le 6 avril. Merci à vous, Gagnon. Ah, le mando dit, bonne idée, on a appelé quelqu'un. Merci beaucoup. Voilà, et puis l'entrée est gratuite pour que tout le monde ait accès à cette cérémonie. C'est le studio Jazz qui organise cette dédicace. Et puis celui qui a produit l'artiste Marcel Siaka, que puis-je dire à cet opérateur économique, homme d'affaires, qui a vraiment à l'intérieur de lui une très belle passion pour la bonne musique, ouais. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te comble au centuple, parce que c'est pas facile d'accepter de mettre son argent pour produire un artiste, parce que quand tu y mets, ce n'est pas, on n'y met pas pour gagner des intérêts, mais on y met pour que l'artiste gagne. Et ça, il faut avoir le cœur de Dieu pour pouvoir le faire. Marcel Siaka, continue encore de le faire, nous t'encourageons. Il faut que l'artiste arrive vraiment au 10e album pour que tu puisses te retirer. Tu es béni, et vraiment nous te disons un grand merci au nom de la structure radio-télévision. Ouais. Il faut aussi noter que cette cérémonie est placée sous le patronage de M. T. Sylvain, qui lui est le directeur général de la Société d'aménagement foncier et de construction de Côte d'Ivoire, dénommée SAFCOSI. Et puis c'est sous le parrainage de M. Ko Espérant, sous la présidence de Mme Thierou Gueymart, opératrice économique. À ces personnalités, nous disons au nom de notre structure radio-télévision, ouais, que Dieu vraiment vous soutienne dans chaque compartiment de votre existence. Nous en sommes vraiment fiers de ce que vous avez accepté d'être vraiment au nombre de ceux qui soutiennent Sabatier. Sabatier, vraiment, c'est un artiste de qualité. Il faut dire aussi que le parrain artistique de cette cérémonie, c'est Alain Magnon, l'homme à la voix féminine. Vraiment, parce que quand il chante là, ça a fait de jalousie. Donc, la jalousie, c'est les femmes qui aiment tellement faire jalousie qu'Alain Magnon veut trouver une solution pour nous aider. Nous les hommes. Alain Magnon, merci d'avoir accepté d'être le parrain artistique de Sabatier. Samedi 6 avril 2019, à partir de 20h, le sol, je dis bien le sol du Mont Zatro, va vibrer au rythme des 6 titres de Sabatier. Sabatier, on va respirer un peu. Voilà le PDG de Diaspo TV, PDG de Radio Télévision, ouais, que je nomme aujourd'hui la référence Maxime Killer. Nous serons à ce grand rendez-vous afin de posséder tous les sacs que va poser l'artiste pour cette belle couverture qui nous attend. Sabatier, nous sommes vraiment très très heureux de t'avoir sur notre plateau. Mais ce qu'on voudrait vraiment te demander, dis-nous un peu, ça avec cette coiffure que tu as, ce style que tu as là, en tout cas, il y a une belle fille qui m'a demandé
tu as ce style-là, c'est pour séduire ou bien c'est pour te donner un style, c'est pour séduire les nanas ou bien c'est quoi? Il faut gagner un pas, te laisser tout respirer. C'est ça. Ah voilà, mais néanmoins, un artiste va toujours séduire. C'est très important. Ah voilà, c'est pourquoi. Ah, c'est pour ça. Alors voilà, Sabaté, les talents qui sont en lui, Sabaté en tant qu'une personne, Sabaté en tant qu'un très bon chante, en tout cas, il rythme avec la séduction. Mais les femmes, restez un peu à l'écart, sinon Sabaté risque de vous réduire. Vous n'êtes pas sûr, Sabaté, troisième acapella. Eh, Abaye, 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 Dias, Yayoye. Yon, ben nous, Abaye, 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 vraiment, c'est vrai. Jean Richard, on a besoin de lui apporter un soutien le 6 avril. Juste Calvé, c'est la même chose. Dis à Jean Richard le 6 avril. Dis à Calvé le 6 avril. Eh, si on dit ça, babo, on est gerbo, on est nos os, 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 on est nos Sabaté, tu vas t'essuyer. Ouais. Et pendant que je donne ton message en Europe, voilà, Zio Richard, homme d'affaires en France. Calvé, homme d'affaires en France. Et puis voilà, Tidiane, moi je dis, faites un effort. Parce qu'aujourd'hui, dans le paysage artistique, ouais, il y a vraiment des artistes qui sont vraiment venus avec une révolution qualitative. Un artiste de ce genre, le type, l'enlever en Côte d'Ivoire pour un spectacle en Europe, en tout cas, je reste convaincu qu'aucun blanc ne peut rester indifférent. Parce que Sabaté, même, il n'est même pas encore au studio. On n'est même pas au studio, hein. Mais tu sens déjà que le studio a l'obligation de marcher au rythme de la chaleur de la musique de Sabaté. Alors donc, je me dis comme ça que le 6 avril 2019, à partir de 20h jusqu'à l'aube, l'entrée est gratuite. Préparons-nous, mobilisons-nous. Mais après le 6 avril, pourquoi pas ne pas songer, faire partie Sabaté en France pour qu'il fasse remuer le sol de l'Europe. Mais pour le moment, retenons la date du 6 avril 2019 au Mont Zatro de Yopougon à partir de 20h. L'entrée est gratuite. En tout cas, Sabaté, tu es de quel village? Je viens de Pointe d'Androu. De Pointe d'Androu, oui. Et c'est dans quel département? Département de Bleu-Rhin, sous-préfecture des Diablos. Des Diablos. En tout cas, c'est pour dire à Pierrette Blédé, dans ces derniers temps, dans ton Diablo, tu es en train de mettre du paquet pour que beaucoup d'artistes sortent des Diablos et nous en sommes vraiment fiers, non seulement de ce village, mais on est fiers de cette sous-préfecture. Et puis, Pointe d'Androu, en tout cas, c'est un village où il y a vraiment des artistes de taille, des artistes de qualité. Pourquoi pas, moi-même, j'irai un jour à Pointe d'Androu aussi pour que je sois formé, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Voilà, nous sommes sur le plateau de notre émission. Et si on en parlait, nous allons recevoir tout à l'heure le manager de l'artiste Alemba, le partenaire du micro qui viendra juste nous dire un mot sur ce plateau par rapport à son artiste, pourquoi pas. Alors Sabaté, oui. Je ne vais pas te laisser comme ça pour recevoir l'artiste. Oui. C'est le 6 avril. Oui, le 6 avril. Un dernier message pour le 6 avril. Tiens, Claire, tu me dis, Et ceux qui sont aussi alors nous allons recevoir le manager, mais tout à l'heure Sabaté va revenir pour clore cette émission. Je vais dire comme ça à tous les ressortissants, ouais, retenons cette date du 5 avril 2019. À partir de 20h au Mont Zatro de Yopougon, c'est au Mont Zatro de Yopougon.
Voilà, à partir de 20h, l'entrée est gratuite. Le Mont Zatro n'est pas loin de la place CP1 et c'est à Yopougon. Nous recevons maintenant le manager de l'artiste Sabatier, Alain Bar, le partenaire du micro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le manager de l'artiste Sabatier. Est-ce que avec la qualité des morceaux de Sabatier, la qualité des talents qui sont à l'intérieur de lui, est-ce que le manager Alain Bar, partenaire du micro, peut tenir le managerial? Merci à la radio-télévision. Ouais. Je pense qu'on ne s'élève pas comme ça pour manager un artiste. Mm-hmm. Ce sont les qualités de l'artiste qui nous attirent aussi vers l'artiste. Mm-hmm. Et quand l'artiste également conçoit que celui-là, il est prêt de me manager, c'est comme ça que nous formons déjà un ensemble artiste-manager. Lélé bébé, lui c'est Alain Bar, partenaire du micro. Il est le manager de l'artiste qui vient de partir, Sabatier, mais on le recevra pour clore l'émission. Alain Bar, il est aussi animateur au sein de cette structure radio-télévision. Ouais, et c'est pourquoi vous sentez la douceur dans ses mains et puis la passion dans ses paroles. Le partenaire du micro. Alors, comment ça va se passer le 6 avril? L'artiste l'a déjà dit. Nous attendons seulement le peuple ouais. Parce que Sabatier, déjà à travers ses multiples singles qu'il a fait, beaucoup se demandaient à quel moment peut-il produire un album. Et aujourd'hui, grâce à un monsieur de renom, nous allons revenir à lui tout à l'heure, le producteur. Et grâce à ce monsieur-là, Sabatier a décidé de faire un album de 6 titres. Désormais, on ne va pas le considérer comme un artiste en herbe. Parce qu'aujourd'hui, dans notre milieu, qu'un artiste n'a pas d'album complet, même avec son single, que ça puisse prendre de tout le monde entier, rien ne le considère pas. Et je voulais revenir à l'histoire de Sabatier. J'ai dit Alain Bar a accepté de me manager parce que je l'ai vu. Quand il a commencé déjà au village, en 2007, disons, en 2010, après la crise, nous sommes allés au funérail du petit frère de Balou Premier, c'est-à-dire Denis Boy. Et nous-mêmes, ce que nous n'avons jamais accepté en Abidjan, on ne pouvait pas accepter cela. Il est venu chanter parce qu'il était encore dans le groupe. En herbe. Et Sabatier est venu chanter sur le morceau de. Mais là, qu'est-ce qui a marqué le manager à l'époque, l'animateur, bien sûr? Oui, d'accord. Je suis parti en tant qu'animateur et en tant qu'en même temps manager également, issu du Coco Maouin. Et donc, l'artiste Sabatier, en herbe d'ailleurs, il a commencé à jouer sur l'instrumental de Polino des Eti. C'est comme ça, du coup, parce que nous étions avec l'arrangeur Samy Dola qui lui-même fait les artistes. On a dit non, c'est pas la peine que tu chantes sur le morceau de quelqu'un que tu conseillais. C'est ça. C'est comme ça, nous l'avons. En fait, on l'a pas ridiculisé, mais c'était. On l'avait poussé à créer. Dans notre devoir de l'amener un jour aussi à chercher. C'est ça. Nous lui avons dit de ne pas chanter. Et tranquillement, il a déposé. En tout cas, ça l'a marqué, ça l'a touché. Et là, ça a provoqué en lui l'envie de pouvoir créer aussi pour lui. Effectivement. Alain Bar, il faut le dire. Il faut dire que Alain Bar, dans le paysage du showbiz musical, ouais, il n'est pas tendre avec tous ceux vraiment qui empruntent les morceaux des artistes pour passer sur le podium. Surtout s'il a l'animation, vous êtes vraiment totalement cuit. Alors, Alain Bar, le partenaire du micro. L'artiste, ouais, ça va étonner beaucoup d'hommes aujourd'hui, ceux qui étaient à point dans nous. Alain Bar qui m'a dit hier de ne pas chanter sur le morceau de quelqu'un, est-ce que cet artiste pourrait venir encore vers Alain Bar pour dire tu vas être mon manager? C'est parce qu'il a compris le message. C'est ça. Je l'ai poussé à un jour sortir son album lui-même. Et vous avez vu, à l'espace de 7 ans, c'est-à-dire de 2010 à 2017, il est venu en Abidjan avec le concours de son propre papa. Il est venu créer le single Aula Bar Brisé qui a pris tout le monde entier aujourd'hui. Très bien, nous tirons vers la fin de notre émission. Je pense bien qu'avec Alain Bar, on apprend toujours beaucoup de choses. Alors, on allait revenir au producteur de cet artiste, un mot. Le producteur de Sabatier, en tout cas, nous allons lui dire merci. C'est un monsieur de la musique également. Il s'appelle Marcel Siaka. Quand vous entendez Billy Didier, les parents du campus, ce sont eux qui ont créé le groupe parents du campus. Ah bon. Il était encore étudiant en Abidjan. Et aujourd'hui, après avoir passé. Et donc, c'est du moderne au tradit moderne. Voilà, c'est comme ça. Et donc, Marcel Siaka. Un changement d'air. Alors. Voilà, changement d'air. Comme si on quitte la Côte d'Ivoire pour aller en France. Exactement. Donc, il a commencé ici d'abord, avant d'aller à Londres. Il a commencé avec les parents du campus, mais quand il est revenu, après 25 ans, il a dit. Après 25 ans 25 ans à Londres. À Londres. Voilà. C'est un véritable changement. Voilà. Donc, il est venu aujourd'hui, il est de passage en Côte d'Ivoire, mais il a quand même une pensée pour les artistes, ouais, parce qu'il a dit, c'est vrai, j'ai fait comme parents du campus. Donc, à Londres, ses racines ont commencé à le poursuivre. Oui,
C'est vrai, j'ai fait parler du campus, mais les natifs de chez moi, parce que je suis ouais, je vais soutenir. L'esprit ouais est en lui. Il finit toujours par réclamer là-bas. Pendant plusieurs années, il est toujours attaché à cette culture. Mm-hmm. Et il a dit Sabadier, c'est quelqu'un qui a du talent. Mm-hmm. Pourquoi ne pas le soutenir? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme Alain Ba qui est sur les bancs. Mm-hmm. Je suis en terminale, je n'ai pas de soutien, mm-hmm. alors que je pourrais aller peut-être. Encore, je ne sais pas qu'il est en terminale, hein, mais c'est un exemple. Voilà. Et on peut aider quelqu'un qui va devenir directeur de société demain. Mais pourquoi ne pas l'aider et puis laisser ce monsieur, quelqu'un de talent, aller au village. Et donc, c'est pareil pour les artistes que nous avons aujourd'hui. Ma sœur Siaka a dit, cet enfant-là, je ne veux pas le laisser pourrir avec ce talent. Je vais le produire. Et donc, il a accepté de le produire avec 6 titres pour le moment. Alors, Alain Ba, le partenaire du micro, le 6 avril, à quoi on doit s'entendre? Le 6 avril, je dirais déjà que Monsatro, c'est un espace culturel. Nous sommes à Yopougon. Et la plupart des Ouest, c'est vrai, nous sommes à Yopougon. Mais vous qui êtes à Marconi, à Koumassi, vous qui êtes derrière l'eau, même en Europe, vous pouvez payer votre billet avant de faire le déplacement et venir à Abidjan pour assister à cette présentation d'album dédicace en même temps de Sabadier. Très bien. Parce qu'il a pensé à vous tous. Mm-hmm. Tous ceux qui sont dans le monde du showbiz Ouest, vous êtes invités. Parce que le spectacle est gratuit. Sabadier, il pouvait ne pas passer tel nombre d'années dehors. Mm-hmm. Aujourd'hui, il fait un album et puis du coup, il va chercher de l'argent. En tout cas, le 6 avril, c'est à partir de 20h. À partir de 20h. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir le samedi 6 avril 2019 au Mont Zatro de la commune de Yopougon, place CP1. Voilà, Sabadier va faire la dédicace de son premier album de 6 titres. Ça sera vraiment du balèze. Nous étions sur ce plateau avec le manager de l'artiste que nous allons faire révéler pour clore cette belle émission. Nous tirons à notre fin. Nous pouvons dire encore une fois de plus à tous les ressortissants, ouais, merci infiniment de nous suivre sur ce plateau de notre émission. Et si on a parlé pour ce plateau, il s'agit bel et bien de la dédicace du tout premier album. Comme je l'ai dit, nous allons recevoir l'artiste Sabadier. Sans plus perdre de temps, Sabadier sur le plateau de notre émission. Nous terminons cette émission avec Sabadier. Vraiment, c'est la date est déjà retenue, l'entrée est gratuite. Sabadier, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour dire un au revoir à tous ceux qui nous ont suivis et le rendez-vous est pris pour le 6 avril 2019 au Mont Zatro. Sabadier termine avec un acapella. Yo, Bruno, dans un, c'est mal à bas, hein. T'as dit ce là. Il nous a blé des gamins, d'ailleurs, tu peux manger du Mont Zatro, des gens, des gars. Il nous a blé des gamins, des gens, on est déjà dit ce là. J'ai envie de dire ça. Demain, ça, mais tu peux manger. Le 6 avril, mais du Mont Zatro, dans un. Et nous avons dit la vie, 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 le rendez-vous est pris, voilà. Le 6 avril. En tout cas, mobilisons-nous tous en là-bas. Bye bye. Et puis voilà, nous sommes à la prochaine. Voilà.